pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rose. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne peux pas dire que leurs huiles à eux sont mauvaises. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Mary a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas fait bien cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les papiers. J'en ai pris deux fois. Non, trois fois. Ça me fait aller au bout du nez. Toi aussi, tu l'as pris trois fois. C'est pour moi la troisième fois. Tu l'as pris moins que les deux premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus, ce n'est pas l'appétit qu'il manque. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y ajouter un peu d'année cette fois-là. La prochaine fois, je serai au courant. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu, attends, comme les cheveux la plus belle. Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille, qui ne boit que du lait et ne mange que de la boue. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et au haricot a été formidable. Nous aurions bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Mrs. Sparkle connaît un épicier romain nommé Papasco Wasserfeld qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école de fabricants de yaourt dans le monde. J'irai demain lui acheter une grosse marmite de yaourt romain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et la protéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Park. C'est lui d'abord qui s'est fait opérer une fois sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux. Ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau, dans les vagues. Il ne lui survit pas. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est très juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas le mât. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l'état civil dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre. Quand est-ce qu'il est mort? Mais pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien, il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelée tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu étais si étonné de voir ça sur le journal. Mais ça n'y était pas sur le journal.
Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Quel dommage! Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort. Et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'était sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas savoir qui était l'un. On ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai rencontrée qu'une fois par hasard à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers. Pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand pensez-vous se marier, les deux? Le printemps prochain ou plus tard. Il faudra sans doute aller leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrions-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il n'en manquait plus que cela, des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Bon, elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils sont garçons et filles. Comment ça s'appelle? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? C'est Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson de mort. Non, ce n'est pas celui-là. C'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions, idiote. Tu dis ça pour m'humilier? Mais tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là, toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour, si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Et qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge aux lèvres, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour me bêter alors, je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Tu le sais bien! Ah, mon petit poulet rôti. Pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Ah, quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Bien, nous allons éteindre et nous allons faire dodo. Meet. I've spent a very pleasant afternoon.
I went to the cinema with a man and I saw a film with women. When it was finished, we drank brandy and milk and then we read the newspaper. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé l'après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal? Frau und Herr Martin, Ihre Gäste sind da. Sie haben auf mich gewartet. Sie haben das nicht gewagt, allein reinzukommen. Sie müssen heute Abend mit euch essen. Monsieur et Madame Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui? Nous attendions et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission? Pas de son minato, Pozzolini. On ne l'a pas fait exprès. Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure, compris? Bon, asseyez-vous quand même là et attendez maintenant.
Madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. À moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, madame, à Manchester? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train 1:30 le matin, qui arrive à Londres à 5:15, madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible, ce n'est pas exclu. C'est plausible et après tout, pourquoi pas. Mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Je voyageais en 2e classe, madame. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre. Mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est bizarre, que c'est curieux et quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en 2e place, chère madame. La chose est bien possible et ce n'est pas du tout exclu. Mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence bizarre. Peut-être bien alors que nous nous sommes rencontrés dans le 6e compartiment, madame. C'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons aperçus là, et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3. Près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence. Nous étions donc vie à vie. Madame, c'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux, c'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons connus à cette occasion. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûr du tout, monsieur. Ce n'était pas vous,
chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi, comme c'est curieux, comme c'est curieux, et quelle coïncidence! Comme c'est curieux, comme c'est curieux, et quelle coïncidence et bizarre! Nous sommes peut-être connus à ce moment-là, chère madame. Comme c'est curieux et quelle coïncidence! C'est impossible, cher monsieur, mais je ne m'en souviens pas! Je suis arrivé à Londres. J'habite rue Bromfield. Chère madame, j'habite rue Bromfield, cher monsieur.
nous sommes peut-être rencontrés, rue Bronfield, chère madame. Comme c'est curieux. Et comme c'est bizarre. C'est bien possible, cher monsieur. Mais je ne m'en souviens pas. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison. Chère madame! Comme c'est curieux! C'est bien possible après tout, mais je ne m'en souviens pas, monsieur! Mon appartement est au 5e étage! C'est le numéro 8, chère madame! Comme c'est curieux, mon Dieu! Comme c'est bizarre! Et quelle coïncidence! Moi aussi, j'habite dans l'appartement numéro 8 au 5e étage, cher monsieur! Comme c'est curieux! Et quelle coïncidence! Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec son lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les vatères et la bibliothèque, chère madame. Ma chambre à coucher a, elle aussi, a un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor, entre les vateurs, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est curieux et quelle coïncidence bizarre. Nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes rendus. Comme c'est curieux et quelle coïncidence! C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés, peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Thank you.
madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous sommes déjà vus. Vous êtes ma propre épouse, Elisabeth. Je t'ai retrouvée. Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald, pour ma
masque ella cree que es Elizabeth. Por más que él cree que ella es Elizabeth, elle a beau croire qu'il est Donald. Se equivocan amargamente. Il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elizabeth? Qui a donc intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Enrhumé.
pourtant il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Vous avez du chagrin? Non, ils s'emmerdent. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, ne croirez pas! Oh, nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à une chose extraordinaire, une chose incroyable! Chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché acheter les légumes qui sont de plus en plus chers, et qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie. Mylène. J'ai vu, dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une cinquantaine d'années, même pas, Qui quoi? Il ne faut pas interrompre, chérie. Chérie dégoûtante.
toi qui as interrompu le premier. Muf! Chut! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente, mais il avait mis un genou à terre et se tenait penché! Oh! Oui, penché! Impossible! Si, penché! Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien! Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait! Fantastique! Fantastique! Ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires. Ainsi, moi-même, aujourd'hui, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original ! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un, je vais voir. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Que chaque fois qu'on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est bien en théorie. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais les voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois? Il n'y a personne. Ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience d'apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Il ne veut pas en démordre. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non. Si? Je te dis que non. En tout cas, tu ne me demanderas plus pour rien.
Si tu vas les voir, vas-y toi-même. Bon, j'y vais. Ah, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Smith. Vous avez l'air fâché. C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à vos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son frère, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage, quand j'en aurai une. Il est mort en attendant. Ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Enfin, de quoi s'agit-il, hein? On se disputait parce que mon mari disait que chaque fois que l'on... C'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas et racontez-moi ça, madame Smith. Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien. On se disputait parce que mon mari disait que chaque fois que l'on sonnait à la porte, il y a quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange, mais elle est prouvée. Non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. Mais c'est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, et il était là. Quand? Mais tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un. Et la quatrième fois ne compte pas. Toujours. Il n'y a que les trois premières qui comptent. Bon, monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser à mon tour quelques questions. Allez-y, allez-y, allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné. Ouais, c'était moi. Vous étiez à la porte. Vous sonniez pour entrer. Je n'en ai pas. Ah, tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner, c'est que quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète que je te parle seulement des trois premières fois, puisque la quatrième ne compte pas. Et lorsqu'on a sonné la première fois, c'était vous? Oh non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on a sonné et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Rien, je restais là et je pensais à des tas de choses. Mais la troisième fois, ce n'était pas vous qui aviez sonné? Si, c'était moi. Pourtant, quand on a ouvert, on vous a pas vu. C'est parce que je me suis caché. Ne riez pas, monsieur le capitaine. L'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si, lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison, tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, deux fois, il y a quelqu'un. D'autres fois, il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le pense aussi. Les choses ressemblent en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Oh, ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine,
puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Oh, excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Alors, je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Oh, je vais vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion. Mais... puis-je devant eux... Mais ne vous gênez pas. Nous sommes de vieux amis. Ils nous racontent tout. Dites. Eh bien voilà. Ah, est-ce qu'il y a le feu? Je boue. Pourquoi vous demandez comme ça? C'est parce que... excusez-moi, j'ai l'ordre d'éteindre les incendies dans la mer. Tous! Ouais, tous! Je ne sais pas, je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Il ne doit rien y avoir, ça ne sent pas le roussi. Rien du tout. Vous n'auriez pas un peu du feu de chêne? Quelque chose qui brûle dans le grenier? Dans la canne? Un petit début d'incendie! Écoutez, je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas, vous me rendriez service. Hein? C'est promis. Et chez vous, ça... ça ne m'aurait pas non plus. Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a presque rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grange. Rien de sérieux. Ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture, cette année, c'est comme pour le feu. Ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation non plus. Mais il y a du sucre. C'est parce qu'on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Oh. Il y a tout de même, mais c'est assez rare aussi, une asphyxie au gaz. Ainsi, une jeune femme s'est asphyxiée la semaine dernière. Elle avait laissé le gaz ouvert. Elle l'avait oublié? Non. Elle a cru que c'était son panier. Oh, ces confusions sont toujours dangereuses. Vous allez voir, rien à faire, il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir, de ma part, le vicaire de Wakefield. Oh, 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 oh. Je n'ai pas le droit d'éteindre le feu, je n'ai pas... le vex se fâcherait. Ils éteignent leur feu tout seuls, oui, ils les font éteindre par des vestales. Essayez voir, j'ai du rang. Je n'ai pas le droit non plus, il n'est pas anglais. Mais il est naturalisé seulement, et les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas celui de les faire éteindre aussi, les boys. Et on fait ça tout seul, clandestinement. Oh, c'est pas moi qui vais le dénoncer. Moi non plus. Puisque vous n'êtes pas pressé, monsieur le capitaine, restez encore un peu, vous nous feriez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh, oui, bien sûr. Vous êtes charmant. Oh, oui, des anecdotes. Des anecdotes.
Donald, bravo. Oh. Oui, oui, des anecdotes. Bravo. Ce qui est encore plus intéressant avec les histoires de pompiers, c'est qu'elles sont vraies. Toutes. Et vécues. Je parle des choses que j'ai expérimentées à moi-même. La nature, rien que la nature et pas les livres. C'est exact. La vérité ne se trouve d'ailleurs pas dans les livres, mais dans la vie. Comment c'est? Comment c'est? Silence! Il commence. Excusez-moi. Ne me regardez pas comme ça. Vous me gênez. Vous savez bien que je suis timide. Oh. Il est charmant. Je vais tâcher de commencer quand même, mais promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on ne vous écoutait pas, on ne vous entendrait pas. Je n'y avais pas pensé. Je vous l'avais dit, c'est un gosse. Oh, le cher enfant. Courage. Eh bien, voilà. Le chien à le bœuf. Fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf demandait à un autre chien « Pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe ?»« Pardon !» répondit le chien. « C'est parce que j'avais cru que j'étais... » Quelle est la morale ?»« C'est à vous de la trouver !» Il a raison. « Une autre !» Un jeune veau avait mangé trop de verres pilés, en conséquence il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache, cependant comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman. Elle ne pouvait pas lui dire papa non plus parce qu'il était trop petit. Le veau fut alors obligé de se marier à une autre personne et la mairie prit alors toutes les mesures électées par les circonstances à la mode. À la mode de quand? Comme les tripes. Vous la connaissiez donc? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois un coq voulait faire le chien, mais il n'y a eu pas de chance car on l'a reconnu tout de suite. Par contre, le chien qui voulait faire le coq n'a jamais été reconnu. Je vais vous en dire une à mon tour. Le serpent et le renard. Une fois, un serpent s'approchant d'un renard lui dit « Il me semble que je vous connais. » Le renard lui répondit « Moi aussi. » Dans ce cas, lui dit le serpent, « Donnez-moi de l'argent. » Un renard ne donne pas d'argent, répondit le rusé animal qui, pour s'échapper, sauta dans une vallée profonde, pleine de fraisiers et de miel de poule. Le serpent l'y attendait déjà, riant d'un rire méphistophélique. Le renard sortit son couteau en hurlant. « Je vais t'apprendre à vivre !» Puis il s'enfuit en tournant le dos. Il n'eut pas de chance, le serpent fut plus vif. D'un coup de poing bien choisi, il frappa le renard en plein front qui se brisa en mille morceaux, tout en s'écriant « Non ! Non ! Quatre fois non ! Je ne suis pas ta fille. » C'est
intéressant. C'est pas mal. Mes félicitations. Bah, fameuse. Et puis je la connaissais. C'est terrible. Mais ça n'a pas été vrai. Si, malheureusement. C'est votre tour, madame. J'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le Bouquet. Ah, ma femme a toujours été romantique. Une véritable Anglaise. Voilà. Un jour, un fiancé avait apporté des fleurs à sa fiancée, qui lui dit « Merci ». Mais avant qu'elle lui dit « Merci », lui, sans dire un seul mot, lui prit les fleurs qu'il lui a données pour lui donner une bonne leçon et lui disant « Je les reprends ». Il lui dit « Au revoir ». En les reprenant, et s'éloigna par-ci, par-là. Vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. C'est vrai. Ma femme est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine, on le dit. Encore une, capitaine. Oh, il est trop tard. Dites quand même. Monsieur est trop fatigué. Rendez-nous ce service. Je vous en prie. Non. Vous avez un cœur de glace. Nous sommes sur des charbons ardents. Je vous en supplie. Soit. Il accepte. Il va encore nous embêter. Zut. Pas de chance, j'étais trop polie. La rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noce une jeune indigène. Donc, le frère avait rencontré dans un de ses voyages une jeune fille dont il s'était épris, et avec laquelle il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante, parlant couramment l'espagnol, qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur, mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne, dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, casanier, dont le fils avait pris pour femme la fille une bien jolie jeune femme. Divorcé, dont le premier mari avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles qui put marier un chasseur qui avait connu Rothschild. Et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria avec une fille, dont le bisaïeul chétif qui portait des lunettes que lui avait données un sien cousin, beau frère d'un portugais, pas trop pauvre, fils naturel d'un ami. Pour le frère de l'air avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne. Lui-même, frère de l'air du fils d'un métier. Lui-même, fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié trois fois de suite et dont la troisième fois. J'ai connu cette troisième femme. Si je ne me trompe, elle mangeait du poulet dans un guet. Ça n'est pas la même. Je
Ah, comme ma femme. C'était remarié avec un ouvrier plein d'entrain. Il avait fait à la fille d'un chef de gare l'enfant qui avait su faire son chemin dans la vie. Son chemin de fer. Comme au corps. Et j'avais épousé le marchand de 9 saisons. Donc, le père avait un frère. Maire d'une petite ville. Maire d'une petite ville. Qui avait pris pour femme une institutrice blonde. Donc, le cousin. Pêcheur à la ligne. À la ligne morte ou. Avait pris pour femme une autre institutrice blonde, nommée elle aussi Mary. Et dont le frère s'était marié avec une autre Mary, toujours. Toujours institutrice blonde. Puisqu'elle est blonde, elle dont ne peut le père que Mary. Et dont le père. Et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé dont la grand-mère attrapait parfois en hiver comme tout le monde. Un rhume. Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. C'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais moi je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours, on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine, recommencez. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure je chez vous. Je suis en mission de service. Nous n'avons pas l'heure chez vous. Mais la pendule. Elle marche mal. Elle a l'esprit de contradiction. Elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? Sidi, Lella, Semroulia. Seydeti, wa Seydeti, Gedelik. Brit, Brit, te Anna, N'goulikum shi nukta. Qu'est-ce qu'elle dit? Que monsieur et madame m'excusent et que ces dames et monsieur aussi, je voudrais à mon tour vous dire une anecdote. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que la bonne de nos amis devient folle. Elle veut dire, elle aussi, une anecdote. Mais pour qui se prend-elle? Oh! De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes vraiment déplacée, Marie. Oh, mais c'était pas possible. Et vous? Non, c'est pour aider. À qui? Pas possible, ici. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes amis. Et comment donc? Contenta di rivederla. Finalmente. Oh. C'est trop fort. Ici. Chez nous, dans les environs de Londres. Ce n'est pas convenable. C'est elle qui a éteint mes premiers feux. Je suis son petit jet d'eau. I'm a little glass of water. Ainsi, chers amis, je crois que ces sentiments sont explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas l'avoir là, parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Moi, vous avez trop de préjugés. Moi, je pense qu'une bonne, en somme, dès que cela ne regarde pas, n'est jamais qu'une bonne.
même si elle peut, parfois, faire un assez bon détective. Lâche-moi. Ne vous en faites pas, ils ne sont pas si méchants que ça. Vous êtes attendrissants tous les deux, mais aussi un peu. Oui, c'est bien le mot. Un peu trop voyant. Incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi, enfin, je ne dis pas ça pour vous. Je voulais vous raconter. Ne racontez rien. Oui. Allez, ma petite Mary. Allez gentiment dans la cuisine et lisez vos poèmes devant la glace. Tiens, sans être bonne, moi aussi je lis parfois des poèmes devant la glace. Ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es pas vue. Parce que je n'étais pas encore là. Je pourrais peut-être quand même vous réciter un petit poème. Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous réciter un poème alors. C'est entendu. C'est un poème qui s'intitule Le Feu. En l'honneur du capitaine. Oh. I'm gonna tell you a poem, alright? Réconnecou que si, dame. Le feu! Les polycandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu, les poissons prirent feu, l'eau prit feu, le ciel prit feu, la cendre prit feu, la fumée prit feu, le feu prit feu, tout prit feu, 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 prit feu. Il y avait pourtant une certaine chaleur dans ces vers. J'avais trouvé ça merveilleux. Tout de même. Vous exagérez. Écoutez, tout ça c'est très subjectif. Mais ça c'est ma conception du monde. Ouais. Oui. Et puis...
mais ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi, dans 3/4 d'heure et 16 minutes, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, bien que ce ne soit pas grand-chose. Et qu'est-ce que ce sera? Un petit peu de cheminée? Oh, 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 oh. Même pas. Un feu de paille et une petite brûlure d'estomac. Dans ce cas, nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. Elle se coiffe toujours de la même façon. Ah, alors, au revoir, monsieur, dame. Bonne chance et bon feu. Avec les pieds, mais on se réchauffe à l'électricité ou au charbon. Celui qui vend aujourd'hui un œuf, demain aura un bœuf. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Il faut toujours penser à tout. Le plafond est en haut, le plancher est en bas. Quand je dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin. Prenez un cercle, caressez-le, et il deviendra vicieux. Le maître d'école apprend à lire aux enfants, mais la chatte allait de ses petits quand ils sont petits. Cependant que la vache nous donne ses queues. Quand je suis à la campagne, j'aime la solitude et le calme. Vous n'êtes pas encore assez vieux pour cela. Benjamin Franklin avait raison. Vous êtes moins tranquille que lui. Quels sont les 7 jours de la semaine? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William a shop assistant. Bon de famille. J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Plutôt un filet dans un chalet que du lait dans un palais. La maison d'un Anglais est son vrai palais. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les pantoufles de ma grand-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Je cherche un prêtre monophysite pour le marier avec notre bonne. Le pain est un arbre, tandis que le pain est aussi un arbre. Et du chêne naît un chêne tous les matins à l'aube. Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Le papier, c'est pour écrire. Le chat, c'est pour le rat. Le fromage, c'est pour griffer. L'automobile va très vite. Mais la cuisinière prépare mieux les plats. Ne soyez pas dindon. Embrassez plutôt le conspirateur. Charity begins at home. J'attends que l'aqueduc vienne me voir, mon moulin. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Un bel cirage! Thank you.
Cacatoès Thank you.
l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que le huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Marie a bien fait cuire les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris deux fois. Non, trois fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris trois fois. Pourtant, la troisième fois, tu en as pris moins que les deux premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Pourtant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poivrons et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir suggéré à Marie d'y ajouter un peu d'anis cette fois-ci. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien aimé boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il l'a bu. Hélène te ressemble, elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Alice. La tarte au coin haricot a été formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre en dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et maturé pour la vie. Madame Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Antinople. J'irai demain lui acheter une grosse marmite de yaourt roumain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, la phallicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Mais alors... Comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? C'est parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux se doit de mourir avec le malade. S'ils ne peuvent pas guérir ensemble, le commandant d'un bateau périt avec le bateau dans les vagues. Il ne lui survit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans, et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la rubrique de l'état civil dans le journal donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me